Alors ici, caché sur les plages d'Omaha, le monument à l'extérieur, en dessous d'un arbre, on voit donc le sigle du nouvel ordre mondial, et tout là, mais j'ai déjà fait en anglais. Donc, regardez le reportage en anglais, j'ai fait très vite faire en français, voilà. Cimetière, tout ce jeune homme tout mort pour rien. Alors ici, sur le monument de Omaha, on voit donc l'autre côté, l'autre partie du dollar, avec le drapeau d'Israël, et tout ça. Donc on dirait que tous ces gens, ils ont donné leur vie pour le dollar. Et là, il y a marqué 666, parce que c'était un sacrifice satanique, et D-Day a eu lieu, donc les invasions sur la Normandie, le débarquement, le 6 juin, et le juin c'est le 6e mois, à 6 heures. C'est tout un sacrifice, c'est la matrice d'Horus. Regardez mes films. Alors ça c'est notre croyance européenne. C'est mieux que toutes ces croyances de cette puissance étrangère qui nous ont fait croire ces croyances pharaoniques. Ça c'est pour nous. Le cercle magique contre ce pharaon. Les forces européennes, quoi. Contre tout ce pipeau, c'est pas... qui vient pas d'ici. Omaha Beach. Alors ici, sur la plage de Omaha, j'ai trouvé le cercle magique des champignons. Voilà. Je crois pas aux dieux. Mais peut-être il y en a des forces supérieures qui peuvent nous aider, donc j'ai fait une petite prière. Les plages, voilà, ils sont là, le cimetière il est là, toute cette connerie humaine. Il n'y a pas de fin là. Donc, les forces supérieures, donne-moi la force que je peux détruire les Templiers, les Pharaons, les Malais et les Suisses qui financent tout ça, pour que toute cette connerie s'arrête. Voilà. Bon, on va voir si ça aide.